Une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Est-ce que vous passez une belle soirée jusqu'à maintenant? Mais c'est pas terminé. D'ailleurs, si vous voulez nous voir, vous nous écoutez, vous voulez nous voir, fm107.ca. Alors, c'est possible de nous voir sur le web. Puis, ça va être bon ce qu'on va entendre. Puis, oui. C'est beau ce qu'on va voir également. Alors, on vous invite à accueillir Annie Blanchard. Les cœurs trop pesants, debout à travers les nuages, rien ne va plus apparemment, même l'important. Oh, mais tu le vois, là au fond de ton cœur, l'endroit où finissent les fleurs, c'est le parfait endroit pour laisser place à l'amour, écrire une autre page. Sur le fil du temps, voir le firmament court, que jour après jour, les malheurs se tassent, que les corps s'enlacent. Te voilà toujours dans la base, t'as trop de ressentiments qui habitent en dedans. Beaucoup trop. L'endroit où finissent les pleurs, c'est le parfait endroit pour laisser place à l'amour, écrire une autre page sur le fil du temps, voir le firmament pour que jour après jour, les malheurs se tassent, que les corps s'enlacent. Écoutez, on est tellement contents d'être de retour au Studio 101. Ça fait quand même 3-4 ans qu'on n'était pas venu faire un tour vous voir. Alors, c'est un grand plaisir d'être là avec vous autres. On va vous présenter des nouvelles chansons de mon tout nouvel album qui vient de sortir, des chansons qu'on a énormément plaisir à faire. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans notre petit road trip. Puis on espère qu'il n'y aura pas trop de poules. On y va! La route est longue.
Annie Blanchard. Bonsoir, Annie. Salut. Si on présentait d'abord tes deux accompagnateurs ce soir. Ben oui, hey, qui sont tellement importants parce que c'est avec eux autres que j'ai tout fait ce bel album-là. Alors, j'aimerais vous présenter à la basse et aux voix Louis-Philippe Quenel. Et à la guitare acoustique, direction musicale et aux voix, Jean-Philippe Lagueux. Ben Annie, merci d'être de retour. Hey, ça me fait plaisir. Avec tes nouvelles chansons. Oui, des toutes nouvelles chansons. Toutes neuves. Ils sont encore chaudes, là. Ils ont juste un mois et demi de vieux, là. Ouais. Et tout ça part d'une tournée, en fait, vous trois ensemble, et ça a provoqué cet album-là, cette création-là, parce que vous avez travaillé ensemble dessus. Oui, ben en fait, Jean-Philippe et Louis-Philippe et moi, ça fait quand même presque 4 ans qu'on travaille ensemble sur scène. Donc, on avait installé un son, on avait une chimie, on avait quelque chose qui se passait, puis on a dit pourquoi pas recréer ça sur cet album-là. Puis, c'est ce qu'on a fait. Donc, je me sens beaucoup plus comme une chanteuse avec son band qu'une chanteuse solo, puis ça s'entend sur les chansons d'album aussi. Et la scène a donc aidé à faire cet album-là, parce que vous avez vu la chimie entre vous trois et ça a permis de créer ça. Oui, la scène, puis la route aussi. Parce qu'on a voyagé pas mal, on a fait de la tournée, fait que des fois on écrivait des affaires dans la van, puis on parlait de toutes sortes d'affaires, de nos styles musicaux, de ce qu'on aimait, puis on a écouté beaucoup de musique aussi, donc nos influences étaient très présentes. Et qu'est-ce que vous écoutiez Et sur on la écoutait route? Du John Mayer, on écoutait du Ray LaMontagne, on écoutait du Sheryl Crow, toutes sortes d'affaires qui ont fait en sorte que ça a influencé l'album. Johnny Mitchell aussi, les petites influences aux années 70 qui sont sur cet album-là. Robert Plant avec Alison Krauss et des Beatles en masse, puis ça a été vraiment un beau processus de création en gang là, qu'on a fait. Est-ce que ça aide, ça, écouter la musique avant de créer un album? Est-ce que ça teinte l'album ou on essaie d'éviter ça, en fait? Ben moi, je pense que c'est bon de s'influencer de choses qu'on aime, de musique qu'on aime, mais d'essayer de prendre ça et de créer un son propre à nous. Donc, nous autres, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé un peu de nos influences, puis ensuite, on a pris ce que nous, on faisait ensemble sur scène. Puis on a créé quelque chose de vraiment le fun. Puis c'est ce qui est bien de travailler avec ces musiciens en studio, c'est qu'ils me connaissent, ils savent qui je suis en tant qu'artiste, ce que j'aime, puis comment je sonne aussi, ils savent ce que je suis capable de faire. Donc ça fait toute la différence quand on arrive en studio. Là, on est dans une zone assez confortable. Et t'assumes ton folk et ton country depuis bien longtemps. Oui, ben c'est sûr que la musique folk et country fait partie de mes racines parce que quand j'étais petite, mon père écoutait beaucoup, beaucoup de musique country chez nous. Johnny Cash, Buck Owens, Merle Haggard, ça jouait énormément, et tous les artistes québécois aussi, comme Marcel Martel et compagnie. Puis on écoutait aussi du Cat Stevens, de la musique très folk aussi. Mon père aimait beaucoup ce genre de musique-là, et encore aujourd'hui, donc j'ai été beaucoup influencée par ses choix de chansons dans ce temps-là. Tu parles de Marcel Martel, c'est sa fille, Renée, qui t'a présenté à ton lancement. Oui. Et avec un beau mot, un beau témoignage, ça t'a fait quoi, ça, d'avoir ce mot-là, de cette légende-là de musique country au Québec? Écoute, ça a été un gros moment pour moi. J'étais super émue quand je suis arrivée sur scène. J'ai eu de la misère à commencer ma première chanson, c'était assez spécial. Mais Renée, avec le temps, c'est devenu vraiment une grande amie. Et on a travaillé ensemble pendant 2 ans sur sa tournée. On vient tout juste de terminer les derniers spectacles, donc ça a été assez triste en quelque part, mais on va retravailler ensemble cet été encore sur la tournée Chapeau Willy qu'on va faire toutes les deux avec Laurent Jalbert et Maxime Landry. Fait qu'on n'a pas fini de travailler ensemble, mais que ce soit Renée qui me présente à mon lancement, ça pouvait pas être un plus beau cadeau. Je pense que cette femme-là me connaît bien en tant qu'artiste et en tant que femme aussi. Donc tout ce qu'elle a dit, c'était vrai, puis les gens dans la salle étaient toutes comme... C'était vraiment beau là, comme témoignage, fait que j'étais bien gâtée. Est-ce qu'on apprend en côtoyant des gens d'expérience comme ça sur scène? Ah ben c'est certain, je veux dire, Renée qui a quand même 60 ans d'expérience et peut-être même plus, elle a commencé à 5 ans, donc c'est sûr qu'on apprend beaucoup. Puis moi, je suis le genre de fille aussi que quand je fais la première partie de quelqu'un, j'aime être en arrière puis d'écouter le spectacle parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe à chaque fois, dépendamment du public avec qui on est. Et Renée, à chaque soir, il y avait quelque chose de nouveau.
chaque spectacle est différent, donc j'ai appris beaucoup d'elle et aussi dans le fait qu'elle apportait beaucoup sur scène de ses anecdotes, de ses petites aventures personnelles, de ses petites histoires. Puis moi, je suis quelqu'un qui a un côté très raconteur, donc c'est sûr que pour moi, ça a été très inspirant pour faire mon album, mes spectacles et tout ça. Et tu as repris plus d'une fois ces chansons en plus. Oui, j'ai eu la chance de reprendre « Prends ma main » sur l'album « Quand le country dit bonjour », qui était un spectacle aussi par la suite, mais qui était un album sur lequel on était plein d'artistes qui interprétaient les grands classiques du country. Et par la suite, j'ai fait « Je vais à Londres », qui a été vraiment un gros succès pour moi dans les radios et tout ça. Ça a joué quand même beaucoup. Puis ça a été tellement le fun de faire ça. Quelle belle chanson. Donc oui, j'ai eu la chance de chanter René Martel à quelques reprises, en plus de chanter avec elle. Fait que ben gâté. Bon, on veut t'entendre chanter encore, oui, après la pause, dans quelques minutes, la suite de Studio 101 avec Annie Blanchard. De retour à Studio 101, une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Reprenons tout.
Merci. Sur cet album-là, il y a énormément, énormément d'amour. Vous en avez peut-être rendu compte depuis les deux, trois premières chansons. L'amour est vraiment un sujet important pour moi. Et on a exploité toutes les facettes de l'amour, que ce soit l'amour fou, que ce soit l'amour qu'on a perdu et qu'on aimerait retrouver, que ce soit des amours qu'on regrette aussi. Et il y a aussi l'amour des gens qui sont partis, les gens qui veillent encore sur nous. Et moi, il y a deux ans, j'ai perdu deux personnes que j'aimais énormément, mon grand-père et mon beau-père, puis ils sont partis à deux semaines d'intervalle du cancer, tous les deux. Puis ça a été vraiment un moment tellement difficile dans ma vie, ça a été difficile de passer à travers tout ça. Mais la vie continue, puis ça, le temps apaise tout ça, cette douleur-là, cette tristesse-là. Et il y a une superbe et talentueuse auteure, compositrice, interprète du nom d'Amélie Larocque, pardon, qui m'a apporté une chanson un jour. Et elle m'a dit, Annie, cette chanson-là, je te la donne, mais je veux vraiment qu'elle te fasse du bien. C'est un baume pour ton cœur. Et j'ai choisi de la mettre sur mon album parce que j'espère qu'elle va faire autant de bien aux gens qu'elle m'en a fait à moi. Et ça s'appelle Je vous vois encore mieux. Sur la musique de vos voix qui tremblent, c'est loin d'être comme tous les adieux. Mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. Je bercerai vos larmes, je guiderai chacun des pas, on entendra l'écho de mon âme qui brille les jours de froid. Ce soir, rien du soleil dans la chambre, sur la musique de vos voix qui tremblent. Adieu, mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. Ce soir, il y a du soleil dans la chambre, sur la musique de vos voix qui tremblent. C'est loin d'être comme tous les adieux. Mes enfants, mes amours, je vous vois encore mieux. Mieux.
Annie Blanchard à Studio 101. Annie, tout à l'heure, on a parlé de la complicité entre vous trois, mais c'est d'abord avec un voyage en Suisse que ça a commencé tout ça, non? Oui, ben c'est ça, dans mon spectacle, je raconte cette petite histoire-là, mais là, j'avais peur de ne pas avoir assez de temps, mais je vais vous la conter. Ben vas-y! On va le prendre, le temps! En fait, c'est ça, ce qui est très drôle, c'est qu'en 2010, je m'en allais en Suisse faire deux spectacles là-bas, au Festival Puli Lavaux. Puis j'avais pas de musicien. Fait que là, je me cherchais des musiciens qui étaient talentueux, qui chantaient bien, parce que j'avais besoin des gars qui chantent bien. C'était super important, parce que les chœurs prennent beaucoup de place dans mes chansons. Et à un moment donné, j'ai-tu pas vu Laurent Jalbert en spectacle? Puis là, j'ai vu ce beau petit gars-là qui jouait de la guitare. Tais-toi, ce JP! Puis là, j'ai fait « OK, moi, j'aimerais bien ça l'avoir ». Fait que je me suis informée, puis il m'a dit « Ben oui, ça m'intéresserait. » Je sais pas si c'était rien que pour la Suisse ou quoi, mon choix. Ça part bien comme pitch quand même. Ça part bien l'histoire. Donc, il m'a dit « Ben oui, ça m'intéresse, c'est sûr ». Puis j'ai dit « Ben garde, appelle tes boys, puis tes amis, puis on décolle en tournée en Suisse pour une coupe de show ». Puis Louis-Philippe s'est joint à nous, puis ça a été tellement le fun. C'était la première fois qu'on jouait ensemble. On a été briser la glace de l'autre bord de l'océan, là, nous autres, rien de moins. Puis ce qui était drôle là-bas, c'est que la chimie a tellement opéré vite, nous autres, ça cliquait tout de suite. Puis les Suisses nous disaient, les journalistes là-bas, « Non, mais c'est incroyable, la chimie, ça paraît que ça fait longtemps que je vous joue ensemble, les trois. » Puis j'ai comme, « Si vous saviez que c'est notre premier show, là. » Donc, ça a été vraiment drôle. Ça a été des beaux moments. Puis, quand on est revenu de là-bas, ben, on s'est pas quittés. On a travaillé ensemble depuis ce temps-là. Puis, c'est pour ça que ces deux gars-là ont réalisé mon album. Ils ont fait les arrangements. Ils ont été présents tout au long du processus. Ils ont écrit des tunes. C'est vraiment deux personnes super importantes pour moi. Puis, je suis contente de les avoir avec moi ce soir. À Puli-Lavaux, on crée une bulle québécoise. C'est un festival consacré au Québec, oui. En Suisse. Mm-hmm. C'est comment de voir ça, que le Québec en entier débarque là-bas? Hey, mais ça, c'était le fun. Puis en plus, l'Acadie s'est joint à nous parce que après, quand les Suisses se sont rendus compte qu'il y avait des francophones hors Québec, ben là, ils ont invité les Acadiens, les Franco-Ontariens, fait que ça a été un gros party là-bas. On se connaissait toutes, on était toutes là, toute la gang. Amélie Larocque, justement, celle qui écrit la chanson que je viens de vous interpréter, était là. Il y avait Catherine Durand, il y avait Garou, il y avait Ariane Moffat. On a joué aussi avec Andrea Lindsay, fait que c'est tellement... C'est un beau festival. C'est agréable, puis une chaleur incroyable là-bas. Les gens sont prêts à découvrir des nouveaux artistes, puis ça paraît. On a reçu un accueil fou, vraiment. Ton Acadie natale. Oui. Sûrement qu'on sort de la fille de l'Acadie, mais on ne sort jamais de l'Acadie de la fille. Non. J'imagine que tu as besoin d'y retourner souvent. Oui. Ben, j'y retourne souvent pour travailler, ça c'est sûr. Moi, c'est ça qui est bien, c'est que je peux retourner souvent chez nous, faire des spectacles. Puis je suis toujours invitée à plein d'affaires. Dans un mois, je pense que je suis allée 4 fois, là, juste pour vous donner une idée. Mais j'essaye d'y retourner le plus souvent possible, voir ma famille. Moi, tout mon monde est là-bas, mes amis... mes petits-neveux que j'adore, mon père, ma mère, toute ma gang est là-bas. Fait que c'est sûr que je me suis fait un beau petit cocon au Québec, mais mon cœur est souvent en Acadie. Là. C'est touchant l'appui des gens de ton coin qui étaient là au début, en fait, qui t'ont vu à tes premiers pas sur scène. Ah, ben c'est sûr, c'est toujours touchant. Puis justement, je suis allée faire un petit lancement acoustique à Caraquette quand j'ai sorti mon album en janvier. Puis j'ai fait ça avec un musicien de mon coin, un gars avec qui j'avais joué dans ce temps-là. J'ai vraiment tout ramené la gang là, de l'Acadie là-bas, puis c'était super le fun. On a eu énormément de plaisir. Puis c'est toujours un petit peu stressant de retourner chez vous puis de présenter des nouvelles chansons à ton monde. Je sais pas pourquoi, il y a comme un stress super supplémentaire qui se rajoute, mais ça finit toujours en famille, en beauté. C'est touchant aussi de dire que c'est devant ces gens-là que j'ai chanté la première fois quand j'avais 8 ans à la chorale, puis à 15 ans à la salle paroissiale à la maisonnette. c'est toujours agréable de retourner les voir. C'était mon premier public, gens qui ont cru en moi. Pour cet album-là, tu t'es impliqué dans toutes les étapes, plus que dans tes albums précédents. Ouais. Pourquoi tu as voulu le faire? Est-ce que la confiance était beaucoup plus là que pour les autres? Ben, la confiance était là, c'est sûr, parce que rendu un troisième album, t'as de l'expérience, tu sais ce que tu veux, ce que tu veux pas. Puis aussi le fait que j'étais avec mes boys, là, j'étais avec mes musiciens, j'étais dans une belle zone de confort, puis on a eu beaucoup de plaisir en studio, puis c'était pas comme d'habitude. D'habitude, tu rentres en studio, puis...
à la limite, tu rencontres le réalisateur la première journée. Je veux dire, souvent, on ne se connaît pas. Mais moi, dans mon cas, j'étais avec ma gang, j'étais avec mon monde. Ça a été vraiment le fun, malgré qu'ils n'ont pas toujours été faciles avec moi. Comment ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, des fois, au studio, OK, t'es capable de plus. On sait que tu peux faire plus que ça. Puis, tu sais, ils sont pas gênés avec toi. Hein? Ça fait que... Non, non, mais ça a été très drôle. Mais c'est ça qui est bien aussi, parce que quand c'est des gens qui te connaissent bien, ils savent ce que t'es capable de faire. Puis moi, ils m'ont poussé à fond. Là. Fait que je me suis pris pour Dolly Parton une couple de fois. Là. J'avais le goût de nous parler de quoi sur cet album-là? D'amour, beaucoup, mais de quoi t'avais le goût de nous parler? Ben, en fait, moi, j'avais beaucoup envie de parler d'amour parce que j'étais dans une bonne période de ma vie. Je suis encore aujourd'hui. J'ai une belle famille. J'ai un chum avec qui je suis depuis 14 ans maintenant. J'ai des petits-neveux que j'adore. Donc, j'avais vraiment envie de parler d'amour. Puis je pense que, dans le fond, je voulais, comme je disais tantôt, exploiter toutes les facettes de l'amour à différents niveaux. Puis je pense que c'est un peu des petites parties de ma vie qui sont éparpillées un peu sur cet album-là, des histoires, des choses que j'ai vécues, que d'autres gens près de moi ont vécues. Puis aussi, je voulais un album lumineux, un album rempli de soleil, un album qui fait du bien. Puis je pense qu'on l'a écrit en grande partie sur la route et en tournée et un peu partout. Puis je pense que ça se ressent aussi parce que j'ai l'impression que c'est un album qui est très road trip, justement, qui s'écoute bien dans l'auto, dans la voiture. Puis ça, c'était un des buts que je voulais aussi. Le genre d'album qui était en décapotable, les cheveux dans le vent. Puis on y va, c'est la liberté. Puis je suis très, très contente qu'on ait relevé le défi. Et la suite de Studio 101 avec toi, Annie Blanchard, dans quelques instants. Restez là. Super. Dans le bureau. C'est mon nouveau tout à une présentation de Volkswagen Sorel-Tracy. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland. Je te demandais de faire une pause en arrêt. Ah. Et si le temps s'arrêtait, dis-moi qu'est-ce qu'on en ferait? Toi et moi, on pourrait vivre des moments parfaits sans savoir. Sans vouloir penser à ce qu'il y a après. Et si ça nous rapprochait et puis qu'on se retrouvait. Ah, et si on redécouvrait ces rires qui nous emportaient. Vivre nos premières fois sans penser, sans douter de ce qui nous arrivera. Dis-moi qu'est-ce que t'en dirais. Tu crois qu'on réveillera une voix qui était là et qui dormait. Qui était là, mais qui dormait. Sans savoir pourquoi. Sans papier, sans mêler. Et le temps nous guidera. Dis-moi, qu'est-ce que t'en dirais. Tu crois qu'on réveillerait une voix qui était là et qui dormait. Qui était là, mais qui dormait.
ici, je te demandais de faire une pause, un arrêt. Merci. Là, moi, j'aimerais ça le temps de quelques minutes, là. Vous emmenez en Gaspésie, ça vous tente-tu? On décolle, on met notre chapeau de cow-boy, on baisse le top, on met la radio au bout, puis on décolle. J'ai pris mon sac et mes souliers, rien pour voyager léger. Dans ma vieille maison mobile, ma voiture qui tient sur un fil, je prendrai la voie qui sera devant moi. Ma tête qui sème en moi le doute aimerait doucement quitter la route. Mon étoile. Je t'ai tout dit sur un bout de papier. Mon amour, je pars pour la journée. La peur me prend à toutes les fois. Si je ne reviens de part, ma chérie, tu te reviens avant la nuit. Le bonheur. La tête vide, le cœur battant, le vent dans les voiles, fidèle à mon étoile. Oh mon chéri, je dors en Gaspésie. Le bonheur sur mon volant du Johnny Cash, les routes pavées, la tête vide, le cœur battant, le vent dans les voiles, fidèle à mon étoile. Bon, on est revenu à Sorel-Tracy. Hey, on est revenu à Sorel-Tracy. C'était beau, la Gaspésie. C'était beau, la Gaspésie. C'était pas mal beau. Hey, on a cassé ça pour vous autres à soir, nous autres. Hi-ha! Annie, on a parlé tout à l'heure de la collaboration avec René Martel, mais récemment, oui. Il y a eu aussi collaboration avec Georges Hamel. Oui. Pour son disque de duo. Oui, super beau disque de duo. Écoute, ça a été un grand bonheur de chanter avec lui. Georges, il jouait chez nous quand j'étais petite. Mon père est un très grand fan. Alors, quand il m'a offert de chanter Jusqu'au bout de tes rêves, ça a été un beau cadeau. Puis j'ai été tellement touchée de ça aussi. Ça a été incroyable de chanter avec lui. C'est un rêve pour lui depuis plusieurs années, ce projet-là. Ouais. Maintenant qu'il est malade, on sait qu'il est affaibli par la maladie. Ouais. C'est plaisant de faire partie de ce rêve-là, d'être ce rêve avec lui. Vraiment. Puis en plus, Georges, il a été malade beaucoup une semaine avant son lancement. Donc, on ne savait même pas si on serait capable de faire le petit « get together » entre guillemets ensemble. Puis finalement, il a dit « non, il faut que je le fasse, je veux être là ». On pouvait pas y donner des becs, on pouvait pas l'approcher trop parce qu'il faut pas trop qu'il soit exposé
aux microbes et tout ça, parce que c'est très, très dangereux pour lui, mais il a été là, il était présent, ça a été un énorme cadeau qu'il nous a fait et qu'on lui a fait aussi, je pense, parce que c'était quelque chose qu'il rêvait de faire depuis tellement longtemps, puis c'est un bel album, puis justement, il était numéro un des ventes cette semaine, alors il était tellement heureux de ça. Ouais. Des collaborations, tu en as fait quelques-unes. Il y a eu aussi Marché vers le Nord avec Laurent Jalbert. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces collaborations-là, ces duos-là? Ah, ben moi, je suis une personne qui n'aime pas travailler toute seule. J'aime travailler en gang, j'aime avoir des gens autour de moi. Puis je me suis rendu compte, justement, que pour écrire l'album, c'était bien plus facile quand on était ensemble, tout le monde. Puis moi, faire des duos, j'adore ça. Alors, sur mon premier album, j'avais pas pu en avoir un, puis ça n'avait pas à donner. Des fois, ça prend les bonnes chansons aussi pour ça. Pour le deuxième, ben là, j'ai fait « Bon, OK, j'en veux un absolument. » Puis je voulais un duo de filles, moi. Je me disais, c'est tellement rare, des filles, là, qu'on entend en duo, c'est toujours des gars avec les femmes, tout ça. J'ai dit « OK, on y va avec Laurence, on va lui demander. » Puis elle m'a dit « Oui, tout de suite. » Puis ça a été super le fun de faire ça. Puis moi, ça m'apporte beaucoup parce que on évolue ensemble, les artistes. On apprend les uns des autres. Même Renée, elle me dit encore cette semaine, même à l'âge que j'apprends encore. Puis elle apprend de moi, qu'elle me disait aussi. Fait que c'est beau le partage qu'on a les uns avec les autres. Puis moi, des duos, j'espère que je vais en faire souvent. Puis c'est aussi l'écoute, c'est apprendre à écouter l'autre, à être en harmonie avec l'autre personne musicalement, puis c'est tellement un beau défi, c'est le fun, c'est agréable à faire. Et avec qui t'aimerais en faire un, là, si on dit de... Ah, ben écoute, là, sur mon nouvel album, je l'ai fait avec Sébastien Plante, des Respectables, ça, c'était le fun, parce que Sébastien, lui, ça sortait complètement de sa zone de confort, là, c'est un rocker, là, fait que quand il est arrivé pour faire du folk, ça a été vraiment trippant de faire ça avec lui, mais je te dirais, écoute, si j'avais le choix demain de faire un duo avec quelqu'un, Sheryl Crow, me semble que ça serait le fun, ou Shania Twain, là, hein? Ah, rien de moi, hein, les gars? Vous autres, vous me diriez oui. Vous autres, ils seraient très contents de travailler en studio, hein? Moi, je me dis, il faut bien rêver dans la vie, là, hein? Bon, ben, j'ai eu Laurent Jalbert, puis j'ai eu Sébastien Plante, on sait jamais. On a parlé tout à l'heure brièvement de Chapeau Willy. Oui. Parle-moi de cette tournée-là. Comment ça va se passer? Hommage à Willy Lamotte, évidemment. Oui, c'est un hommage à Willy Lamotte qu'on va faire. Il y a un album qui est sorti l'année passée, justement. Et on a fait un premier spectacle à Saint-Tite l'année passée. Puis ça a été vraiment, vraiment trippant à faire. Toutes des grands succès de Willy. On va être moi, Laurence Jalbert, René Martel et Maxime Landry sur ce spectacle-là. Et des belles collaborations. On va faire des duos. On va faire plein de belles tunes. On va faire du vrai country western à Willy Lamotte, là. Ça va être vraiment agréable à faire. J'ai hâte. Mais t'as dit que t'étais une fille de gang, alors pour faire ce genre de spectacle-là, c'est vrai pour quand le country dit bonjour aussi. Puis t'es une fille sensible également à certaines causes, parce qu'on t'a entendu chanter pour des causes aussi, c'est arrivé souvent. Oui, mais j'ai participé en fait à deux albums, pour un qui était pour les enfants de la guerre, qui s'appelait Héros, sur lequel j'avais fait la reprise de Je vais à Londres de René Martel, justement. Puis ça a été vraiment quelque chose de spécial à faire, parce qu'on était là pour la bonne cause. C'était important pour nous d'être présents pour cette cause-là. Les enfants de la guerre, c'est tellement terrible ce qu'ils peuvent vivre. Alors oui, j'essaie de m'impliquer le plus que je peux. Quand je peux être là, je suis là. Puis la musique, comme je le disais tantôt, c'est un baume sur le cœur. Ça fait du bien aux gens. Puis quand on peut s'impliquer avec notre musique, avec nos chansons, moi, c'est sûr que j'essaie d'être là le plus souvent possible. Il y avait eu pour la Fondation Jasmin Roy aussi, les chansons de Noël. Oui, c'est vrai. En fait, j'en ai pas parlé, mais oui, il y avait la Fondation Jasmin Roy, sur laquelle on a fait un album de Noël avec Jasmin et toute son équipe. Ça a été vraiment touchant, parce que c'était pour l'intimidation. Et Dieu sait que les enfants en vivent dans les écoles, et les gens de tous âges en vivent, dans le fond. Donc, je me suis impliquée pour ça aussi. J'ai eu la chance de chanter « Sainte Nuit », qui est ma chanson de Noël préférée. Donc, ça a été un beau moment de studio, puis j'ai été très, très touchée de faire cet album-là. Ça va vite, il reste deux chansons? Hey, oui, je sais, ça va vite, là. Hey, écoute, on a fait la Gaspésie aller-retour, là. Je pense qu'on est bon pour finir ces deux tunes-là assez rapidement. On s'arrête quelques instants et la suite de Studio 101 avec Annie Blanchard dans quelques minutes. Merci. En direct du Marine Cabaret de Sorel-Tracy, nous sommes de retour à Studio 101 avec Luc Deloncourt et Valérie Ferland.
jour enfin revient. En attendant que mes battements de cœur apprennent, je remets un pied devant l'autre, j'essaie de remonter la côte. En attendant, je vis sans la moitié de moi. Je vis sans toi. En attendant que s'éloigne de moi l'orage. En attendant que le temps tourne enfin la page. Je remets ma vie sur les rails, t'oublier sera ma bataille. En attendant, je vis sans chaleur et sans joie. Je vis sans toi. Mes yeux pleurent des mots d'amour. Dans mon cœur, j'espère ton retour. Et pourtant, sans toi, je reprends mon chemin en attendant. De t'oublier. Un jour le vent portera ton image au loin. Et tout de blanc je peindrai l'ombre du chagrin. J'oublierai tes mains sur ma peau et j'ouvrirai grand les rideaux en me disant qu'elle est possible sous mon toit. La vie sans toi. Mes yeux pleurent des mots d'amour. Dans mon cœur, j'espère ton retour. Et pourtant, sans toi, je reprends mon chemin en attendant. De t'oublier. Mes yeux pleurent des mots d'amour. Dans mon cœur, j'espère ton retour. Je reprends mon chemin en attendant. En attendant de t'oublier. Beaucoup. Écoutez, ça a été tellement le fun d'être avec vous autres ce soir. Ça m'a fait beaucoup de bien d'être juste comme relax de même avec vous autres. C'est vraiment comme si on était comme dans ma cuisine, là. Fait que vraiment, merci de votre accueil du fond du cœur. Merci à toute l'équipe du Studio 101 de nous avoir invités. Ça a été un grand bonheur d'être avec vous autres. Luc, j'ai tout le temps énormément de plaisir à faire des entrevues avec lui. C'est la deuxième que je fais cette année, donc je me suis vraiment gâtée, là. Alors, merci encore à tout le monde. Merci à mes boys d'avoir été avec moi, les gars. Merci, c'est tout le temps le fun. Ils sont-tu pas assez bons, hein? Lul et JP pour les intimes. Alors, on va vous laisser avec une chanson qu'on adore faire en spectacle. C'est, je pense, notre chanson préférée, je pense, à tous les trois, parce qu'on a tellement de plaisir, c'est le fun. Gênez-vous pas pour taper des mains. En tout cas, moi, je vais vous faire taper des mains, vous n'aurez pas le choix. Alors, on y va, on termine ça avec « Je dirai je t'aime ». Il y
qu'il y a toujours dans mes cahiers quelques lignes qu'il me faudrait effacer, des mots d'amour un peu usés, une page de lui qu'il me faut tourner. Il ne reste plus rien de tout ce qu'on s'est promis. Il ne reste plus rien, rien que mes jours sans lui. Mais je garde en moi le thème du plus beau de cette poème. Quelque part à quelqu'un, je dirai je t'aime. Je dirai je t'aime. Il y a toujours quelques nuits de soupirs, quelques ratés, tous ces désirs qu'on a enterrés, tout cet amour qui nous a dépassés. Il ne reste plus rien de tout ce qu'on s'est promis. Il ne reste plus rien, rien que mes jours sans lui. Mais je garde en moi le thème du plus beau de cette poème. Quelque part à quelqu'un, je dirai je t'aime. Je dirai je t'aime. Je t'aime. Je dirai 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 je t'aime. Il ne reste plus rien de tout ce qu'on s'est promis. Il ne reste plus rien, rien que mes jours sans lui. Mais je garde en moi le thème du plus beau de cette poème. Quelque part à quelqu'un, je dirai je t'aime. Quelque part à quelqu'un, je dirai je t'aime. 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 Annie Blanchard, Studio 101. Ben c'est plaisant que ce soit votre préférée parce que c'est la chanson qui tourne sur nos ondes présentement. Oui, ben c'est ça, il paraît que ça tourne vraiment bien, fait que je suis contente. On adore la faire en spectacle. Je pense que les gens l'aiment bien aussi. Oui, merci. C'est un plaisir pour moi aussi de te recevoir à chaque fois en entrevue. Oh, hey, ça fait deux fois, Luc, cette année. Ah, pas long, là. Ah, moi, je capote. Ah, hey, ben oui. C'est pas croyable. Ça faisait assez longtemps qu'on s'avait pas vu, mais voilà. Là, on a fait ça en grand. Oui. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi au cours des prochaines semaines? Tu vas être bien occupée, je pense. Hein? Oui, ben là, je termine, en fait, ma tournée de promotion. Vous en faisiez partie. Donc, on finit pas mal ça à soir pour l'album et tout. Puis, on va commencer les spectacles bientôt, en fait, en salle cet automne. On a des spectacles qui sont en train de se booker tranquillement. Et cet été, ben, je vais faire ben du country parce que je vais faire quelques festivals country. Je vais faire mes chansons qui se prêtent bien à ce style-là. Puis aussi, je vais rendre hommage aux grandes du country, Dolly Parton et Shania Twain et compagnie. Donc, je me prenais pour Dolly, mais là, je vais le faire pour vrai, là. Alors, ça va être le fun à faire. Puis, avec la tournée Willie aussi, qui arrête pas, le congrès mondial acadien cet été, dans la région d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Ça fait fort, là-bas, je pense. Et oui, ça fait fort. Puis, en fait, on fait la fête des Acadiens tous les 15 août de chaque année, un peu comme vous autres, la Saint-Jean, nous autres, c'est le 15 août, la fête des Acadiens. Mais cette année, c'est à tous les 4 ans, on a le congrès mondial acadien. Fait que là, cette année, c'est les Olympiques des Acadiens, c'est ça. Fait que là, c'est Rock Voisine, le porte-parole. Fait que c'est gros, là, cette année, c'est big, là. Fait qu'on est bien fiers de ça. Fait que ça va nous faire travailler aussi. Mais merci beaucoup, Annie Blanchard. Mais merci à vous merci, autres. Messieurs. Merci, tout le monde. Merci, messieurs.
Annick va avoir des albums pour vous, d'ailleurs, dans quelques minutes. Merci beaucoup à Marie-Pierre Perrault et à Étienne Jolie également d'avoir été là. Merci aux Marines Cabaret de nous accueillir comme à chaque fois, nos commanditaires Volkswagen, Sorel Tracy, les restaurants Tim Hortons de la région. Merci à Cocktail Brio, à Communication Intermédia et Jean Lemay. Merci également à Pierre Parent. Merci aussi à Mathieu Parenteau-Vallée qui est à la caméra et à l'accueil également. À Philippe Manning de Studio Manning qui fait toujours de très belles photos. Au son, André Cournoyer. Merci d'être là, André aussi. Et Audrey-Anne Kincabana qui est à la mise en onde. Luc, je te laisse dévoiler. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Pardon? Jean-Philippe en 13 secondes. Il y a eu une petite chaleur. Oh, je suis pas brille. On a-tu le droit d'entendre ça? Ben, fait ça. OK. Alors, on va vous dévoiler les noms des prochains participants Studio 101 le 31 mars prochain, puis ensuite, ben, on va se laisser avec un rappel. Correct, ça? Ça fait votre affaire? Alors, le 31 mars, soyez là pour Studio 101. On va recevoir Jason Bajada et une fille que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue sur scène, Joanne Labelle, qui fera son retour à Studio 101. Alors, on aura beaucoup de plaisir avec ce duo-là. Le 31 mars prochain, restez à l'écoute du FM 107 pour gagner vos laissez-passer. Et merci à vous d'avoir été là ce soir. Allez-vous être correct? Ben oui. Ben oui, bon? Ben on va laisser Jean-Philippe s'accorder, là, puis... On aime je pense ça. Qu'on devrait être correct. On est du direct. C'est du direct. Annie Blanchard, pour la première fois. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sorcières. Et le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'ont dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Les Anglais sont arrivés et dans l'église ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors, pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton âme à travers toute l'Amérique. Chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as pris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village.
Oui, soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies ainsi, que le très long voyage Évangeline, Évangeline. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent, car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui malgré qu'ils soient malheureux croient en l'amour et qui espèrent. Évangeline, Évangeline.